Préparez-vous à dresser. Combien ? 2 minutes. 2 minutes. Dans 2 minutes, le premier plat sort. Je vous rappelle qu'on est au CFA d'Ajaccio. Je vous rappelle que c'est le concours de cuisine. Et que là, il y a des numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 candidats. C'est anonyme. C'est-à-dire qu'en gros, là-bas, les jurys vont recevoir les plats sans trop savoir qui c'est. Et le premier plat, c'est Frédéric, je crois, c'est ça ? C'est ça, c'est Frédéric qui va nous sortir voilà, son veau revisité avec un risotto. Bon, ça c'est dans deux... Il lui reste une trente. Tiens, puisqu'on parle de cuisine, Laurent, puisqu'on parle de cuisine, bien sûr, on fait aussi un coucou à Marina, puisque Mandia Insem, c'est maintenant, c'est en direct sur ViaStale. Eh bien, on pense à Marina. Tiens, et puisqu'on pense à nos collègues, on va la faire, celle-là. Puisqu'on pense à nos collègues, je voudrais faire un gros bisou, moi, à Laurent Vitaille. C'est son anniversaire. Et si vous voulez lui souhaiter un joyeux anniversaire, Laurent, hop là, Laurent.Vitaille. Voilà, le premier plat sort. Je vous donnerai son adresse pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. On va accompagner le plat numéro 1. Je cours, sors Guillaume. Je cours de l'autre côté. Le premier plat arrive. Attention, le premier plat vient d'être posé. Le jury n'est pas encore en place, Muriel. Mais nous, on est en direct. Tout à fait. Il va falloir s'asseoir et commencer à goûter. Je vais vous mettre en place. Alors vous ne savez pas qui a fait ce plat. Vous avez juste un numéro. J'ai juste un numéro, tout à fait. Alors, on va déguster. Il faut pouvoir noter l'originalité, la présentation, le goût, bien sûr. Et l'organisation du travail. Tout à fait. Qui je vais embêter? Eh ben, Nicolas, il est au téléphone, on ne va pas l'embêter. Non, 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 ne t'embête pas, Nicolas. Oui, on viendra t'embêter tout à l'heure. On va embêter quelqu'un d'autre du jury. Description du plat fait par le numéro 1. Nous, on sait qui c'est, mais on ne va pas le dire. C'est donc un... Eh bien, tout simplement un rôti de veau avec un risotto aux olives. Rôti de veau, risotto aux olives... Et c'est Muriel Fagne qui commence la dégustation. Alors bien sûr, comme on est en direct, vous n'avez pas le droit de me dire les notes que vous allez mettre de suite. Ça se passe bien? Vous savez qu'il est bon. Vu l'heure, vous savez que vous nous donnez envie, hein, c'est clair. Mais là, je vais goûter. Oui, on sent bien que c'est juste professionnel. Hein. Ça fait quoi de manger comme ça, d'être juste épié par la moitié de la planète? C'est un petit peu embêtant, mais ça va, je peux gérer. En même temps, donc là, je vais voilà, on marquer. Cache. Voilà. Laurent, ne montre pas. Ne montre pas, parce que autant de l'autre côté en cuisine, ils ont aussi Facebook et ils peuvent nous suivre en direct. Oui, j'ai pas eu le temps de terminer parce que le premier plat était en train de sortir. Petit message personnel, parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est l'anniversaire de Laurent. Donc, moi, si vous pouvez juste envoyer un mail à laurent.vitaille@francetv.fr pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, il va être content. Je vous rappelle aussi bien entendu que comme on est en direct, mais n'hésitez pas à interagir, à poser vos questions, et je vous rappelle que à la fin de cette dégustation, il y aura un seul gagnant, et ce gagnant, non, tu es au téléphone, mais c'est pas mon problème. Ça va? Ça se passe bien, Guillaume? Ça se passe très bien. Tu es toujours au téléphone? Je suis avec Yann Bénard aussi. Oui, je suis toujours au téléphone, Yann. Merci. Tu es en train de préparer aussi demain, on en parlera. Il y aura un gagnant qui sera sélectionné aujourd'hui. Il y en a un deuxième qui sera sélectionné demain au CFA de Fouriagne. C'est l'épreuve de Haute-Corse qui aura lieu demain. Et ensuite, ces deux gagnants se retrouveront pour la grande finale. La grande finale qui aura lieu à Porto Vecchio. Et je crois que c'est le 17 mai, mais je me ferai confirmer ça d'ici quelques instants avec Guillaume, dès qu'il aura raccroché. On fait un petit coucou à nos internautes, avec Célia qui dit « on est là », avec Stéphanie qui nous dit « tout ça a l'air bien appétissant et encore vous n'avez pas l'odeur », Damien qui nous fait un coucou, Anne-Marie qui nous fait un coucou, Guillaume... Je disais juste, on sélectionne un gagnant aujourd'hui, un gagnant demain, et les deux, on les retrouvera pour la finale à Porto Vecchio le 16 mai. Mercredi 16 mai. Voilà, c'est ce que j'ai dit, 17, bon, le 16 d'un jour. Il y a quelqu'un qui nous fait encore des coucous. Ok, plein de monde, je passe le bonjour à tout le monde. J'espère que ces plats donnent envie.
Tout ça a l'air bon. Damien nous fait un coucou, Anne-Marie nous fait un coucou. Bonjour, c'est Nelly de Reims, je vous embrasse tous et bon courage. C'est bon ça, vive Viastel. Merci Nelly de Reims. Un grand bonjour, un immense bravo à tous de la part de Jacqueline. Bonne dégustation de la part de la Fifi. Nelly qui nous souhaite un bon anniversaire. Nelly, alors Nelly, tu souhaites un bon anniversaire à Laurent Vitaille, c'est bien. Envoie-lui un mail, laurent.vitaille@france-tv.fr. Et ensuite, Sandra qui nous dit que c'est bon tout ça. On retourne en cuisine, Laurent ? Oui, ça va vite. Il y a déjà le deuxième plat qui va sortir. Bon, on y va. Tiens, je te laisse passer devant. Là, il y a Guillaume qui va appeler en disant « Numéro 2 !» Daniel. Notre serveur attitré qui est Daniel, formateur boucherie, mais qui est polyvalent. Alors, l'assiette numéro 2. Alors là, en plein dressage. Assiette numéro. Ah, il va nous faire une démonstration de dressage en direct, tant qu'à faire. Alors, on fait le dressage en direct. Accompagné du formateur, Manu. Donc voilà. On s'aide un petit peu, hein, vous comprenez bien. Que... Là, donc, ce sont des pâtes faites maison. Donc, il a utilisé une machine. Ah oui, il a fait lui-même ses propres pâtes. Il a pas acheté les pâtes fraîches de chez un truc machin. Voilà, les pâtes ont été faites et réalisées par lui. Et comment dire, à l'aide d'une machine. Bon. On dresse. Voilà. Et les petits conseils à côté. Qu'est-ce qu'il dit ? Pas trop non plus de champignons ? Non, juste pour vraiment présenter le produit et savoir qu'il y a des champignons dessus. Pas essentiellement faire l'assiette à base de champignons, parce que c'est son principal ingrédient, c'est les pâtes. Et le veau. Et le veau, donc là maintenant, avec ses tranches de veau. Aux piètes de veau farcies avec une farce aux champignons. Pression. Allez. Guillaume, il faut leur mettre un peu la pression. Non, mais n'aie pas peur. Allez, allez. Candidat numéro 3 devra se préparer. Hein. Marie-Béatrice. C'est Marie-Béatrice. Mais on n'a pas le droit de le dire parce que ça doit être anonyme là-bas. Bon, après, les jurys ne nous entendent pas. Bon, on peut voir de là Marie-Béatrice aussi qui fait son dressage. Et on voit la fin de dressage de Laurent, aidé d'Emmanuel. Le petit coup pour bien nettoyer l'assiette. On vérifie. Alicia qui nous souhaite bonne chance à tous depuis le CFA 2B. Eh oui. Et c'est quelqu'un que tu connais, je suppose. Eh oui, c'est donc une conseillère Pôle emploi. Et là, le CFA 2B actuellement sont en train de s'entraîner. Ils font les répètes. Comme toi, tu faisais les répètes ici hier. Et ils le font aujourd'hui à Bastia, puisque le direct pour eux, ça sera demain. Je veux. Attention, nous dit Sandra, le dressage, ça compte. Oui, Sandra, le dressage, ça compte. Mais là, il commence à être en retard, le Laurent. On lui met la pression un peu. Il faut. Mais il est concentré à bloc. Pas. Ah non, il est concentré, mais tu vois qu'il lâche rien. Hein. La petite feuille qui vient par-dessus. Un peu de verdure. Un léger tremblement dans la main, mais ça va. C'est parce qu'il n'a pas bu de café depuis ce matin, on va dire. Le plat est prêt ? Je vais faire un tour. On va accompagner l'assiette auprès du jury. Et puis, je vais retourner faire un petit tour en cuisine. Il y a eu un petit retard au dressage concernant l'assiette numéro 2. L'assiette numéro 1. Alors, paupiette de veau forestière avec son lit de pâte. Et c'est encore Muriel qui a l'honneur d'attaquer la dégustation. Pour le premier plat, je cache, voilà, je mets ma main ici, comme ça on ne voit pas les notes. Pour le premier plat, c'est bien passé, Muriel ? C'était vraiment très bien. Là, ça a l'air pas mal aussi, hein, ceci étant. Vous n'avez pas l'odeur. C'est terrible, vous n'avez pas l'odeur. Attention, Laurent, j'enlève la main des notes. Je vais aller faire un petit tour. Au revoir, Sandra. Pourquoi tu veux que j'aille voir Sandra pour dire bonjour à Sandra? Bonjour, ouais, Sandra. Bonjour, ouais. C'est vrai, puisque c'est un partenariat. Et Sandra qui est en train de regarder le direct. Bien sûr, parce que moi, je n'ai pas le droit d'aller en cuisine. Donc, il faut baisser le volume, sinon ça va boucler. Voilà. Sandra, toi aussi, tu as participé à l'organisation de cette manifestation, en quelques mots.
Bien, moi, j'ai participé mais aussi sur le champ entreprise, puisque j'interviens au niveau de la région sur l'entreprise. Et je trouvais que ce genre de manifestation était à la fois intéressante, bah, de faire découvrir à tout demandeur d'emploi le métier de ce secteur d'hôtellerie, de la cuisine, et justement à travers aussi les exigences qu'attend l'entreprise dans le recrutement du cuisinier ou de commis de cuisine, avec tous les éléments d'organisation, du dressage, de la cuisson, enfin voilà, avec un accompagnement bien sûr des chambres des métiers qui sont présentes. Toi, allez, je vais dire la vérité. Oui, oui, voilà. Là, ils sont en train de réagir, ils nous font des petits coucous, le CFA de B, puis tu as tes collègues, Alicia, entre autres, qui nous fait un petit coucou. Pour être vraiment dans le concret, les métiers de la cuisine, on a un rapport, on a un déficit. Oui. Il y a beaucoup d'offres et peu de demandes. On dit 1 pour 3. 1 pour 3. On dit 1 pour 3, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, on a 3 offres et en face, on a un demandeur d'emploi qui est inscrit dans le métier de l'hôtellerie, enfin de la restauration. Donc ça veut dire qu'il faut aller chercher des candidatures ou à l'extérieur ou du moins dans d'autres métiers. Et donc c'est l'occasion de ces rencontres-là où on fait découvrir le métier à des demandeurs d'emploi qui n'étaient pas du tout ni formés, ni expérimentés. Et voilà, donc c'est la possibilité de dire, vous n'y avez peut-être pas pensé, mais ce métier est peut-être fait pour vous. Ben voilà, je crois que le message de Sandra Laurent, il est clair. Si vous êtes en reconversion professionnelle ou en formation, que vous êtes apprenti, pourquoi pas, mais même en reconversion professionnelle, tout à l'heure le chef étoilé le disait, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, on peut se lancer dans cette aventure. Et oui, il y a du travail et pas que pour la saison estivale. Et puis, il n'y a pas que la saison estivale. On a des établissements aussi bien sur l'organisme de formation que sur les entreprises accueillantes qui proposent aussi des contrats, non pas que saisonniers, aussi des contrats à l'année. Après, nous, au niveau Pôle emploi, aujourd'hui, c'est un concours. Mais demain, ça peut être aussi des périodes d'immersion où le demandeur d'emploi qui veut découvrir peut aussi faire sur une semaine, un mois, la découverte dans un établissement de métier de cuisinier serveur. Et puis, ce n'est pas parce qu'on a un certain âge comme nous qu'on ne peut pas envisager de repartir dans cette aventure qu'est la cuisine. Il y a du travail, vous pouvez trouver des débouchés là-dedans. À noter, on parle beaucoup de cuisinier, c'est normal. On parle aussi de boucher, c'est normal. Et on n'oublie pas les métiers de service, le service proprement dit. Il y a une formation ici au CFA d'Ajaccio, il y en a une autre aussi au CFA de Fouriagne. C'est aussi le dernier lien avec la cuisine, le serveur, c'est important d'avoir des professionnels. Là aussi, on en manque. Tout à fait. Être serveur, ça ne s'improvise pas. Il y a des techniques d'accueil client, de dressage des plats. Enfin, voilà, le formateur là, peut vous en parler. Mais c'est vraiment une qualification attendue. Que l'on soit sur une paillote ou sur un établissement étoilé, le serveur, c'est le premier qui est en contact avec le client. Hein. Donc, à un moment donné, si vous voulez que votre client revienne, eh bien, il faut avoir un bon contact. C'est aussi important que le cuisinier. Il y a Guillaume qui nous fait des signes, le plat numéro 3, et je suis sûr qu'il est prêt. Il va arriver. Laurent, tu vas chercher le plat numéro 3 avec Guillaume. Je passe de l'autre côté, moi je vais en cuisine, pour avoir un peu les impressions de nos candidats. Je passe de l'autre côté. Ça va ? Ouais. Ça va. Ils sont tous un peu... Il fait chaud ici, hein ? Ouh. On a eu le 1, on a eu le 2, le 3, je crois que c'est Marie-Béatrice. Oui. Vas-y. Alors. On t'attend. Alors. J'ai rien dit, moi. J'ai pris du quasi dans le veau. Je l'ai fait en fagot. Autour, j'ai mis du poireau pour bien le serrer. Donc, ça a cuit sur un lit d'oignon, de foin, de cardamome et toutes mes petites épices que j'ai rajoutées, c'est ce qui va donner toutes les saveurs au veau. J'ai fait les pommes de terre, elles ont cuit tout doucement, de l'ail poché. On la sent la passion là, Laurent. On va essayer d'amener le plat là-bas. Il y a le monsieur qui dit moi je veux bien, mais moi je veux voir le plat. Là-bas, on va finir là-bas. Parce que la caméra elle est là-bas et voilà. Continue de nous décrire tout ça. Je montre. Voilà, pose-le. On va pas partir de suite avec parce qu'il y a encore un petit détail pour le dressage. Ah oui, mais là, on est en plein froid, donc ça va refroidir. Alors, pose-le là au chaud. C'est bon, la caméra va suivre. Donc là, je disais que le quasi a été entouré d'une feuille de poireau. Tout a mijoté sur un fond de oignon. Du foin que j'ai mis parce que ça me rappelle mon enfance. Mon papa était agriculteur et cette odeur de foin eh bien, va donner une saveur à la viande, va lui apporter une superbe saveur.
Et j'ai mis beaucoup de la cardamome, mes petites épices qui vont tout relever. Dedans, j'ai voulu travailler sur quelque chose de corse. Donc, j'ai mis de la figue, des petites figues, des pommes de terre, de l'olive, pour rester aussi dans le domaine corse. Et puis, ben là, j'ai rapporté ma petite touche de petit cœur, parce que j'aime la vie. Donc, vous avez un cœur là et un cœur là. Et réussir à faire un petit cœur avec des olives, franchement, Marie-Béatrice. Oui. On va laisser Laurent accompagner le plat. Moi, je reste un peu ici, si tu veux bien, Laurent, avec Marie-Béatrice, parce que... Bravo. Voilà, merci. Bravo. C'est un premier soulagement, le plat est parti. Oui, c'est un soulagement. Alors là-bas, ils sont en train de... On ne peut pas les voir, nous. Ils sont en train de recevoir le plat. Voilà. Normalement, si tout se passe bien, on va pouvoir voir l'image ici, nous. Mais si tout se passe bien, c'est Muriel, je crois, qui va recevoir le plat en premier. Regarde ton plat. D'accord. Tu vois, il est en train d'aller devant le jury. D'accord. Explique-nous un peu. On disait tout à l'heure, il y a du travail, il y a des gens qui ne sont pas des professionnels, qui peuvent se lancer dans cette aventure. Toi, c'est quoi ton parcours et pourquoi tu es ici ? Alors, mon parcours n'a rien du tout pourquoi je suis ici ? Parce que je suis au Pôle emploi. Je suis en Corse depuis 7 ans et... Beaucoup de mal à trouver un emploi. À la base, je suis laborantine, donc rien à voir. J'ai travaillé dans les laboratoires. La blouse blanche, c'est le seul point commun. Voilà, c'est le seul point commun. J'étais dans la chimie et j'ai gravi tous les échelons pendant 10 ans. Ensuite, j'ai voulu élever ma fille parce qu'on était dans l'est de la France. Et suite à ça, je me suis reformée en tant que commerciale et j'ai intégré un industriel dans le domaine du bois. Ma passion a été pendant aussi 7 années. Les maisons au Saturbois. Je viens de faire ma maison au Saturbois écologique et feng shui à Saute. Et du coup, j'ai voulu agrandir mon activité parce que je loue ma maison l'été et je voulais apporter à ma clientèle un service supplémentaire à travers la cuisine. Eh ben, il y a Guillaume qui m'a fait un petit signe. Je demandais à notre ami Laurent. Et il a fait un petit signe. Qu'est-ce qu'il voulait nous faire comprendre ? Que j'étais disponible si vous vouliez. C'est bien, mais on va venir l'embêter. Moi, je veux juste encore 2 minutes avec Marie-Béatrice parce que j'attends que Laurent revienne. Il va peut-être revenir quand il reviendra. Non, quand il reviendra, je parlerai de Marie-Béatrice parce que c'est ce genre de personnage, moi aussi, qui me plaît. Un petit débrief, on va dire, presque à mi-chemin. J'ai réussi à faire ce que je voulais. Mieux qu'hier, grâce au conseil des deux chefs. Non, assez content, quoi. La répète d'hier, ça a été un bon moyen de voir ce qui pouvait marcher, ce qui était plus compliqué. En fait, ça a permis de rectifier pas mal de petits détails pour la chair, par exemple, ou pour les cuissons. On a changé la cuisson complètement, parce que c'était trop sec. On a changé la cuisson et puis la présentation, il l'a changé complètement. Le dressage, c'est important. Dressage, ouais. Guillaume, qui est de retour avec nous. Laurent est toujours avec le plat, là, je vois. Voilà, ils sont en pleine dégustation, donc voilà, ils discutent entre eux. On les voit, alors on n'a pas le son parce que du coup ça permet justement de faire en sorte qu'on n'ait pas les résultats directs. Mais regarde, il est en train de revenir, on va le récupérer. Ah ben il est là. J'étais en train de dire qu'on te voyait en train d'humer les plats. Ça sent bon, hein. Ça a l'air très bon. Ça a l'air très très bon. Moi, Laurent, je voudrais juste, parce qu'on l'a entendu parler un peu de son parcours, faire un petit focus sur Marie-Béatrice. Elle a, pendant que tu étais là-bas, elle nous a expliqué son parcours. Elle a été laborantine en chimie pendant 7 ans, 10 ans, puis ensuite dans l'ossature bois pendant 7 ans. Et puis là maintenant, elle fait des gitans en bois et tout. Mais ce qui est sûr, c'est que, hop, je passe de ce côté. Moi, si j'avais un resto, elle, je la prendrais. C'est vrai, alors avec plaisir. Voilà, je vous le dis. Ces genres de personnages, on fera les autres les uns après les autres, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bien. Ouais. Mais avec elle, j'ai un peu papoté. Franchement, la passion de la cuisine, voilà. Et ça, c'est pour après, ça sera les desserts. Et il veut déjà dévoiler le dessert. Non, pas celui-là, Laurent. Voilà, pas celui-là. L'autre va être mieux. tu gâches le plaisir. Non, mais franchement, on sent... Ouais, ça a l'air pas mal quand même par rapport à nos compétences à nous. Voilà. Et en fait, au départ, il n'y a pas de formation de... Pas du tout. Juste, tu aimes ça. Je reçois mes amis et je me suis aperçue que quand je fais des invitations à la maison, personne ne refuse. Non, mais nous aussi, on ne refuse pas si vous nous invitez. Ah, c'est un plaisir. Il y a la sonnette. Qu'est-ce qui se passe ? Numéro 4. Tu as un message de... je ne sais pas de qui, je verrai ça. Je ne le vois pas encore, moi. Des petits champignons farcis au goût. Un petit champignon. Ah oui, voilà. C'est notre numéro 4. Tout à fait. Mademoiselle.
Non, dont j'ai oublié le prénom, on ne va pas l'appeler numéro 4. Voilà, c'est fait exprès de cacher son truc. Sandra, on avait vu les ingrédients, le dressage est bon, la cuisson est bonne, tout s'est bien passé. Je pense, oui, ça va. On peut envoyer le plat ? Oui, on peut. Allez, numéro 4, il part là-bas. Alors, j'ai fait un petit focus sur Marie-Béatrice, mais je lui demandais aussi le tien, le parcours. Oui. Pourquoi tu es là aujourd'hui ? Mais parce que j'aime bien cuisiner, mais à la maison. Et vu que c'était proposé par le Pôle emploi et que je suis inscrite au Pôle emploi, je me suis dit pourquoi pas. Et si ça se passe bien, ou même il y a d'autres formations, même si c'est pas toi qui gagne, pourquoi pas envisager une reconversion là-dedans ? Je suis pas sûre. Il y a du boulot. Il y a du boulot, je sais. Et comme, mais c'est... Alors, ouais. Quand il y a plus d'offres de demandes que d'offres, du coup on peut négocier un peu mieux. Oui, c'est vrai. À sinon, réfléchir. Toi, ton parcours au départ, c'est ta formation, c'est... Moi, c'est BEP secrétariat. Oui, c'est sûr, c'est rien pas rien à voir. Et encore, je garde des enfants, donc maintenant, encore plus. Rien tu as pris du plaisir à faire oui, ce super. Plat. Oui, bon. Oui. Et qui j'ai pas vu. Oui, on va aller dire un petit bonjour à Frédéric aussi pour. Ça a été le numéro 1. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Elle fait une drôle de tête. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, ça va pas ? Oui. Ça va. Trop cuit ? Non, c'est tout vert. C'est ? Tout c'est bon. C'est bon, tout va bien, tu es sûr, hein ? On sent la pression. J'ai fait le parcours de Marie-Béatrice, de Sandra et Frédéric. Il vient d'où, Frédéric ? De Zonza. Non, mais sinon, au niveau parcours professionnel, pourquoi tu es ici aujourd'hui ? Pourquoi je suis ici aujourd'hui ? Parce que ma famille est restaurateur depuis 1880. Ah ben oui. Que moi, j'ai quitté ce métier oh là là. Il y a 30 ans. Mais il faut revenir. Et, voilà. Tu es dit là, c'est le meilleur moyen de revenir. C'est ça. Zonza, bon, puisqu'on y est, vas-y, dis le nom de l'établissement. Ah, mais je ne suis pas dans un établissement. Non, mais la famille. Ah, ça, c'est à Avignon, la famille. Ah, d'accord. Et toi, pourquoi pas lancer aussi, intégrer un établissement ou créer le tien ? L'un ou l'autre, ça dépend des circonstances. Étape numéro 1, gagner le concours. C'est ça. Et apprendre la cuisine professionnellement. Moi, ça me fait rire parce qu'ils disent tous, autant les uns que les autres, je ne suis pas professionnel, mais ça va, pour des non-professionnels, on s'en sort pas mal. Hein. Ouais, mais si on est passionné, on en fait à la maison. Ouais. Mais moi aussi, je suis à la maison. Ping ! Ah ouais non. Ah c'est pas ça. C'est pas bon. Toi avant tu étais ? Moi j'ai tout fait. Je suis électricien de formation. J'ai fait plusieurs métiers. Je suis continent. Je suis venu en vacances ici il y a 2 ans. Je suis resté. Ça c'est sûr. Hein. Comme disait l'autre, de toute façon c'est pas grave. La Corse fabrique des Corses. Laurent qui sourit. Électricien de formation, chimiste de formation. Le monsieur il était dedans, il est reparti, il est revenu. Ici. Le prénom avec lequel... Jamshid. Toi, tu étais quoi ? Informaticien. Ah, comme moi, au départ. Ouais. Hop. Voilà, il y a Manu qui arrive. C'est ça. C'est le dressage... Tout est prêt. C'est bon ? Ça, on va faire peut-être réduire un tout petit peu. D'accord. Ouais, ça. Faire réduire. Pourquoi tu veux le faire réduire ? C'est un peu trop liquide. Ça va être un tout petit peu sirupeux, comme ça. Ça va éviter que ça coule partout dans l'assiette. Donc on fait réduire, on va préparer une assiette bien chaude. J'en profite pour faire des coucous à nos internautes. Eric, Marilyn, Eric encore, Pierrette nous fait un coucou, Annette nous fait un coucou. Il y a Sandrine qui nous fait des bisous, Eric encore, Sandrine encore, Jean-Luc, Sandra. Ah tiens, Sandra Serpage, elle était de l'autre côté. C'est joli et féminin, merci Sandra. Mélissa qui nous fait un coucou, Zidé est là. 7 ans en Corse, il faut savoir progresser sur l'accent. c'est pas gentil. Oui, saute, ça va. Oh là là. Courage papa de Quentin Lambert. Ben oui, courage, ça va au niveau du courage. Ça se passe bien. Célia qui dit encore coucou à Guillaume. Il y a Béatrice, tiens, une certaine Béatrice qui nous fait un coucou en nous disant que ce concours est une très belle initiative. Un commentaire sur ce commentaire d'une certaine Béatrice Mazzala ? Elle a parfaitement raison, c'est une très belle initiative et il y a de très belles assiettes et notamment une qui va bientôt sortir. Ouais. Alors on va dire la vérité, hein. Si Guillaume est si gentil avec la Béatrice qui vient de faire un commentaire, c'est parce que c'est sa boss. Tu es obligé de dire du bien. Oh là là, tu n'es pas comme ça Guillaume. Non, je suis pas comme ça. Béatrice, on la retrouvera demain. Allez, en direct, on sera demain... On sera demain en direct depuis Bastia avec Béatrice et on passera ensemble un moment pour présenter la deuxième étape de ces demi-finales. Aujourd'hui Ajaccio, demain Bastia. C'est ça. Et bis repetitas. Merci Béatrice. Pascal nous dit que c'est une bien belle assiette. Vous nous faites saliver, Didier. Pas de problème, nous aussi on salive. Ça a l'air très bon, nous dit Philippe. C'est vrai, ça a l'air très bon. Papa, il est trop chaud. Hop là.
Ah, c'est... Ça a un peu réduit, Manu ? Ça a un peu réduit, c'est parfait. Je pense que ça devrait être tout bon. Donc l'emporte-pièce qu'on va mettre ici. Allez, l'emporte-pièce. Alors réduire, ça veut dire quoi ? Non, tu sais pas ce que ça veut dire réduire. Moi-même, moi qui suis nul en cuisine. Les saveurs, on en gros, on fait un peu évaporer. Allez. Voilà, on retire l'excédent d'eau. Hein. L'emporte-pièce, on met le riz dedans. Ouais, on va essayer de faire quelque chose de propre. Hein. On est là pour, voilà, pour les aider aussi. Alors, on s'aperçoit que la cuisine, c'est beaucoup basé sur de l'entraide. C'est un concours, mais ils sont en collectif quand même. Voilà, donc on est quand même dans une brigade, on fonctionne tous ensemble et tout le monde s'aide. Excuse-moi, hein, on regarde le dressage, mais pendant que le dressage se fait, je vais aller voir le papa. Ouais, j'ai vu, ouais. Vous pouvez faire un bisou à mon papa. Moi, je veux bien, mais... Mais lui, il est à Paris, là. Ah ouais, de Paris. Et il est reparti avec sa petite amie. Ah d'accord, il est reparti avec la petite copine à Paris. Et maintenant, il veut qu'on fasse des bisous à papa. Donc Quentin, je fais un gros bisou à ton papa, voilà. Qui est un peu moins stressé puisque ton plat est déjà parti, toi. Hein. La pression. Par contre, il reste le dessert encore, hein, pour toi. Il est déjà prêt. Il est déjà prêt, bon. Belle vie. Attends, mais on est sur le dressage de... On a perdu Jamshid. Jamshid ? Jamshid. Et Jamshid, il va se cacher pendant... Oh, Jamshid. Dis-moi, il y a ton dressage qui est en train de se faire. J'arrive. Non, vas-y. On te voit. Je vais te suivre jusqu'au bout, hein. Parce qu'on voit Manu. Manu qui donne un coup de main pour le dressage, mais assume. Tu es content ? Oui. Tu n'as pas eu de gros problèmes ? J'ai eu peur pour le timing. Tu as eu peur pour le timing. On sent que tu es un peu juste, hein. J'ai augmenté de 2 degrés. Quoi, il y avait un problème sur la cuisson de la viande de Jamshid. Oui, voilà, elle était un peu, comment dire, bleue. Donc on a fallu relever la température du four de quelques degrés pour la rendre voilà, une cuisson un peu plus à point, on va dire. 2 degrés, je vais voir avec Manu. 2 degrés, ça a changé beaucoup de choses. À 2 degrés, c'est important pour la cuisson de la viande, que ce soit de la viande ou du poisson d'ailleurs. Hein. C'est, ça se joue à 2 degrés. Voilà, on est là avec des thermomètres. Il n'y a pas de sondes. Il y a des sondes, contrairement à... Voilà, il y a des sondes. Donc là, regardez, on a une viande, un filet de veau qui est bien rosé. Il y a quelqu'un qui nous demande c'est du poivron. Je ne crois pas, moi je vois de la carotte. Il y a de la carotte et il y a des, en fait, des haricots plats. Voilà. Alors sur le riz, je réponds à Sandra Serpage. C'est pas du poivron, c'est de la carotte et du haricot plat. Et par contre, ce qui est juste en train d'être mis en place maintenant, c'est des oignons, je pense, à l'odeur. Voilà, c'est des oignons. Et donc là, on va mettre la viande. Comment, Laurent ? Vous n'avez pas entendu, mais ça fait... Il est gentil. Ne t'approche pas trop, tu vas gâcher le plat. Dixit, Laurent, c'est mon pote. Voilà, on va apporter... Yvette nous dit, j'ai faim. Eh oui, Zidée, là, c'est bien de la carotte. Un tout petit peu de romarin, c'est juste déco, voilà, ça ? Ça permet d'apporter un... Ah, une négociation sur le filet de sauce. Est-ce qu'on met un filet de sauce au milieu de la viande ? Nappe ta viande sur la moitié, là. Sur la moitié. Tu recouvres pas tout, comme ça on voit la cuisson. Voilà. Pas tout pour qu'on voit la cuisson. C'est super. Pas plus ? Manu, pas plus ? On peut mettre un peu. On peut mettre un peu. C'est gourmand à la cuisine. Hein. Voilà, il n'y a pas de secret. Et à chaque fois, tes deux petits grains, c'est du soif ? Ça, c'est du sel fumé. Du sel fumé. Voilà. Tenez. On va pas montrer la marque. Ah oui, c'est du sel fumé. C'est du sel fumé. Comment c'est presque un confit d'oignon, d'idée là ? Je ne crois pas que ce soit presque un confit d'oignon. C'est un confit d'oignon. C'est un confit d'oignon, oui, tout à fait. Et oui, le fameux sirop balsamique qui agrémente la déco. C'est devenu très mode, le petit trait de sirop balsamique. Ça apporte un peu d'acidité, c'est bon aussi. Hein. Voilà, et puis ça permet avec le doseur de faire des petites figures sympas. Exactement. Qui nous manque ? Ça va, chef ? Ouais, super. La pression retombe ? Super. Merci à vous. Jamshid. Ouais. Ah, ouais. Zen. J'ai eu peur pour le timing. Hein. C'est C'était toi le plus juste. C'est pas l'habitude. qui nous manque Ah ben oui. J'ai encore oublié le prénom. Excusez-moi. Hein. Martha. On laisse Martha se concentrer. C'est toi la prochaine. Oui. Tu es prête? Oui. Presque prête. C'est dressé. Et c'est
haricots verts et pommes de terre avec sauce de soja et aussi avec sel et l'huile d'olive et herbes de Provence. Et le veau, c'est avec l'oignon, de l'ail, farine et aussi du vin blanc. Et du vin blanc. Bon. Et ça, oui, c'est ça, c'est la banane, fameuse banane. Oui. Banane, je ne la vois plus parce que. De... Ah, ici. Non, c'est pas ça que je cherche, c'est la banane. Ah, ici. Voilà. Ça. Mais c'est une banane spéciale, hein. C'est pas la banane qu'on connaît, c'est de la banane. C'est quoi le nom? C'est banane plata. Banane plata. Oui. Banane plate, oui. En traduction. Hein. Oui. On va faire comme ça. C'est le prochain plat qui part. Hein. Oui. Laurent, tu veux qu'on retourne faire un petit tour avec le jury en attendant? J'ai fait le tour de tout le monde. On a eu le parcours plus ou moins de tout le monde. Oui, oui. Jamshid? Oui. Parfait. Tout le monde est prêt. Maintenant, ils n'ont plus qu'à envoyer leur dessert. C'est ça, on attend le plat de Martha. Et après, on attaque les desserts. Et ensuite, on passe Frédéric au dressage. Ah oui, tiens, on va. On va regarder le dressage. Frédéric, le dressage. Frédéric, attends, Frédéric, attends. Qu'est-ce que tu fais? Un petit peu de. Je nappe de miel. Un petit peu pour ajouter un petit peu de sucre et de brillant. Donc, ça, c'est des crêpes que tu as fait toi-même? Oui. Elles sont ici. Qui sont farcies avec des pommes corses. Le jaune, le fond d'assiette jaune, c'est. C'est une confiture de clémentine et qui est censée apporter un petit peu d'acidité. Ouais, vous avez des épluchures de pommes qui sont caramélisées pour faire des petites chips de pommes. Non, ça sera le premier plat, le premier dessert pardon, qui sortira. On continue avec Sandra, miam miam, de la banane plantain. Ah. Oui, merci Didier. Et oui, Laurent Simon-Paul, tu n'as rien dit jusqu'à présent. Tu le savais, toi? Oui, bien sûr, je le savais. Mais Didier, on peut la prendre comme consultante. Parce oui, que, je pense. Oui, elle comprend. Bon, elle n'a pas été gentille. Elle n'a pas été très gentille. Elle dit saute au lieu de saute. Ça, oh, ça sent un peu la magagne. Oui, un peu la magagne. Voilà, c'est de la magagne. Oui, on va aller. Le président du jury. Président. Il nous manque un plat, je crois. Oui, très agréablement surpris. Hein. Non, vraiment des bonnes saveurs. Tu n'as pas le droit de tout nous dire. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Non, des bonnes saveurs, des belles surprises, dont celui-là, avec pas mal de goût. Ah, avec le confit d'oignon. C'est ça, tout à fait. J'avoue que j'ai eu du mal à le laisser partir de la cuisine, ouais. Celui-là. Ouais. C'est très bon. Et la cuisson qui a été ajustée au degré précis. Moi, c'est un truc. La cuisson basse température. Puis il fallait vraiment que ça soit à la sonde. Moi, quand je fais cuire quelque chose, je mets quand ça commence à brûler. C'est que ça y est, c'est cuit. C'est des techniques. C'est pas comme ça. Hein. je fais rien cuire. Merci, Laurent. On a des nouveaux ustensiles pour nous aider. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à ces sondes, ça nous permet d'avoir des températures justes. De cuire à une température la meilleure possible pour la viande. Ça, c'est les choses qui se font en amont. On sait que pour pouvoir... les viandes, avant, on avait tendance à les cuire beaucoup trop longtemps et beaucoup trop fort. Et on s'est rendu compte que non, il faut ajuster la température pour que la cuisson soit ni trop longue, ni trop... La basse température, ça permet aussi d'éviter ce delta entre la croûte complètement brûlée et l'intérieur Exactement. Complètement rouge. C'est oui, ça. Guillaume, tu peux envoyer les plats, il n'y a pas de souci. Excusez-moi, je gère en même temps Guillaume. Oui, Laurent, qu'est-ce qu'il y a? Je gère Guillaume, je gère Laurent, mais... Si tu vas faire un gâteau. Non mais, alors moi je ne sais pas où est-ce que tu vois les interventions de Christophe Mondelogne, moi je ne les vois pas. Christophe Mondelogne demande à ce que je fasse un gâteau. Mais... Merci, je te remercie. Christophe Mondelogne à qui on fait de gros bisous. Donc agréablement surpris par la qualité de, je le rappelle, des non-professionnels. Non-professionnels. En gros, c'est monsieur, madame, tout le monde qui fait la cuisine à la maison, qui se lance là-dedans. Bah, si tout le monde faisait aussi bien à manger à la maison, il n'y aurait plus personne qui irait au restaurant. Hein. Ah, c'est un peu bête. Il y a un marché, t'inquiète. Ouais. Donc, très grosse surprise avec le plat précédent. Ouais. Pas de grosse déception, en fait. Hein. Non. Des petites erreurs de débutants. C'est quoi les erreurs de débutants? On va nommer personne, mais... Par exemple, ils n'ont pas goûté. Ah. Donc, ce qui fait qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'il manquait ou un petit peu de sel ou un petit peu de poivre. Voilà, ça c'est l'erreur que font beaucoup les gens. On ne vérifie pas bêtement. Voilà, tout à fait. On ne va pas goûter juste avant d'envoyer, ne serait-ce que prendre une entame de viande pour voir. Voilà, c'est des petites choses. Voilà, c'est des petites erreurs d'assaisonnement. Et
Mais sinon, dans l'ensemble, non. On a une amicale pensée pour Muriel qui, à chaque fois, est celle qui se fait filmer en train de manger. C'est un calvaire, Muriel, je suis désolé. Mais bon, ça a l'air de bien se passer pour toi aussi. Un commentaire sur... Oui, tu peux pas parce que tu es en train de, oui, de déguster. C'est le dernier plat, hein, Muriel. Au niveau des notes, le problème, c'est que, comme tu disais, beaucoup d'agréables surprises, mais du coup, au niveau de réussir à départager, ça va peut-être être un peu... Ça va être un peu plus compliqué, mais bon, après, c'est pareil, on va en discuter aussi avec les autres juges, voir un petit peu, puis sur l'ensemble du travail de la matinée aussi. Ouais. Les gens qui ont été un peu plus stressés, qui étaient mieux organisés que d'autres, voilà. Non, puisqu'il y a une note sur l'organisation du travail, je crois, sur 10. Hein. C'est noté sur 50, il y a 5 critères. La créativité, le goût, la présentation, le travail. L'organisation du travail. Et l'originalité, j'ai dit, originalité, voilà. Présentation, goût. Goût, oui, mais sauf qu'il y a les deux goûts. Il y a le goût du dessert, le goût du plat, ça nous fait 20 points, plus les 30 autres, ça nous fait bien 50. Je trouve que dans l'originalité, dans la présentation, il y a eu de beaux plats. Hein, il y a une recherche, voilà. C'est... Allez, il va goûter. Je me mets à côté du boss pendant qu'il va goûter. La présentation, c'est vrai qu'à une certaine époque, ça faisait pas du tout l'objet de recherches particulières. Maintenant, en cuisine, la présentation, c'est primordial. On a ce côté artistique au niveau du visuel. Donc aujourd'hui, l'appétit commence par le visuel. Voilà. Donc, on voit justement que... Donc là, on a une participante qui est d'origine colombienne. Et justement, on voit souvent dans les régions d'Amérique du Sud, ils mettent beaucoup de choses dans l'assiette. Plein de petits... Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des produits crus comme de la salade, vous avez les légumes, voilà, il y a vraiment un féculent, il y a vraiment... C'est-à-dire que cet homme, normalement, ne devrait pas savoir qui c'est, il a reconnu l'assiette colombienne, bien joué, puisque c'est anonyme. Mais c'est vrai que c'est particulier, cette technique de mettre plein de petits éléments différents dans une assiette. Bon, allez, je te laisse goûter, vas-y. Hein. Alors ça, je te dis, parce que je me suis fait crier dessus, c'est de la banane plantain, et que j'ai appelé pendant un petit moment de la banane plate, ça n'a rien à voir. Je remercie. Goûter, quel bonheur. Où est-ce qu'elle est, Sandra? Oui, la personne qui nous envoie plein de petits messages depuis tout à l'heure, en fait, elle s'est cachée là-bas. C'est poivré. Hein. Ouais, c'est relevé. Banane plantain. C'est original. C'est vrai qu'on ne s'attendrait pas à ça. Je peux goûter la banane plantain? C'est ça qui est relevé? Non, c'est la viande. Je pense qu'elle a bien poivré. Excusez-moi. C'est le plat le plus relevé qu'on ait eu. C'est le plat sur les 6 qui est le plus relevé. C'est un risque de relever son plat comme ça? Le problème, c'est que certaines personnes n'ont pas le même degré de tolérance sur les poivres ou sur les piments. Donc, mais après, ça va. C'est pas non plus... Ça arrache pas la bouche. Non, voilà. C'est pas... Vous voyez, par contre, une petite surcuisson au niveau du veau. Pas assez rose peut-être. Voilà, donc déjà que le veau est une viande peu grasse. Mmh. Donc, exactement, c'est ça. Si on laisse voilà. Après, la petite compotée sur le dessus, plutôt sympa. Ça lui donne un petit côté un peu plus moelleux. Oui, pour enlever le côté sec justement voilà. de la viande. Peut-être, il aurait peut-être fallu cuire un tout petit peu moins. On rentre trop dans le détail, je ne vais pas prendre plus d'informations. Simplement beau, jolie couleur. Bonjour de la part de Dominique. Sandra, t'es découverte. Il y a Sandra qui dit à Sandra que Sandra est découverte. C'est bien. Tu arrêtes de nous envoyer des messages. Yann m'en veut. Mais non, Didel, je ne t'en veux pas du tout. Au contraire, comme Laurent l'a dit, c'était plutôt sympathique. Il n'y a aucun souci. Et puis c'est vrai que de bien belles interventions. Jean-Louis. Je ne dois pas voir la même chose pour moi, pour la présentation. Alors, Jean-Louis, il n'est pas gentil, il n'a pas aimé la présentation du dernier plat. Jean-Louis, ce n'est pas des professionnels. On refait un petit tour avec les noms qui apparaissent. Par contre, pas du tout. Les numéros, d'accord. Alors, numéro 1. Numéro 2, ils ont tous été goûtés. Le fagot de veau sur le foin. Moi, ça, je sais qui c'est Marie-Béatrice. Là, c'était les cèpes. C'est Sandra, je crois. Oui, Zidane, il me pose une question. Selon quelle sauce se marierait? Ah, je vais aller voir un chef étoilé pour. Oui. Je vais juste pendant Kino, tu vas embêter le chef étoilé, puisqu'on est en direct. Je passe par là. Puisqu'on est en direct, autant que j'en profite.
quelle sauce se marierait le mieux avec du veau? Bon, moi, je n'ai pas pu répondre. Je me suis dit, bon, autant profiter. Ben, le meilleur, c'est de récupérer les parures. Et de les parures. Les parures, c'est-à-dire, ce sont les petits bouts de gras qu'on a autour des viandes qu'on achète, ou demander à son boucher de nous donner des os. Ah, d'accord. Et voilà, et on les fait colorer avec carottes, oignons. On mouille avec un petit peu d'eau, on laisse cuire. D'accord. Et après, on fait réduire. D'accord. En fait, la meilleure sauce, c'est celle à partir du veau même. Exactement. Un fond de veau. C'est ça, tout à fait, un fond de veau. Vous voyez que je m'en sors, Laurent. Voilà. Il y a Frédéric Balbino qui nous fait un coucou. Oui, Guillaume. Qui dit dessert dit gourmandise, et on a décidé de vous sortir les 6 desserts d'un coup. Allez, c'est parti. Oui, ça parce qu'en fait, ils étaient prêts. On va dire la vérité. Voilà. Cet homme a le don de transformer la réalité. En fait, les 6 desserts sont prêts et on s'est dit autant les envoyer. Mais lui, il essaye de tourner ça, style gourmandise. même pas. Allez, ils arrivent. Les 6 desserts. C'est le moment de la gourmandise. Autant y aller. Le premier. Alors, le premier, ça a l'air d'être une aumônière. Le deuxième, ça ressemble à un tiramisu. Plus ou moins. Attends, je réponds en même temps au message qu'on nous envoie. Alors. Je dis, on est en direct. Je vais t'expliquer. Hop, en direct. Les joies des directs Facebook, c'est que justement, tout le monde peut interagir. Il n'y a pas de thé en direct. Mais si, on est en direct. Tu arrêtes. Un petit coucou à Thierry, notre partenaire avec lequel on a fait pas mal d'opérations d'Azel, qui nous envoie un petit coucou. Oui Thierry, on est en direct. Tu peux d'ailleurs nous suivre, il n'y a pas de problème. Je vais retourner sur la page de France 3. Ok, merci beaucoup, tout en simplicité, merci Zidel. Merci de la part de Cécile de nous faire partager ce moment. Sauce morille. Ah, ça c'était une intervention de Pascal qui nous disait, moi avec le veau, j'aime bien la sauce morille. Le chef nous dit... Oui, tout à fait. Oui, oui, morille, très bonne association. Tu t'en sors bien. T'imagines, Pascal, si le chef étoilé dit très mauvaise idée, tu es fini en direct sur Facebook. Donc non, on peut faire une très bonne sauce morille. 1, 2, 3, 4. Il nous en manque un, c'est ça ? Deux. Il en manque deux. Ah oui, pardon. C'est vrai qu'on en a deux. En orthographe qu'en mathématiques. Guillaume, ça a mal fini. Plus que deux desserts. Oui, Laurent ? Quand ils sont tous là, il faut que quelqu'un nous les décrive, un par un. Okay. Ben, on va faire venir c'est le coach. Coach Manu. Il y a Coach Manu qui va. À la réalisation. Ben, déjà, il peut nous faire une description déjà des visuels qui m'ont l'air déjà très beaux, mais moi, bon, je suis novice. Mais on a de très beaux desserts pour l'instant. Il ne nous manque plus que deux desserts. Alors, une tarte, C'est une tarte. Ça, c'est une tarte aux pommes, ouais, sûrement particulière parce que. On voit j'ai cru voir des clous de girofle. C'est ça, des clous de girofle. Moi, je dirais que ça sent la Colombie, ça. Je pense que ça sent la Colombie. Martha. J'ai eu l'occasion de goûter. T'as déjà goûté. Là, c'est un gâteau moelleux. Donc, toujours sur le thème de la pomme. Et après, je crois qu'il y a une petite surprise à l'intérieur. On va voir ça. Ici, il y en a un autre qui arrive, le 5. Après, vous venez vous nous décrire les 6 plats, les 6 desserts. On attend le dernier et on fait un petit tour. Oui, ça a l'air très très beau. Ça, celui-là, on l'a vu. Je sais qui c'est. Mais c'est à quoi ça ? Alors ça, c'est de la clémentine, Laurent. Très bien. C'est de la clémentine. Ça, c'est des copeaux de pommes caramélisées et une crêpe. Crêpe à la châtaigne. Crêpe à la châtaigne, fourrée pomme, bien entendu. Tu as bien retenu, c'est bien. Ça, c'est très beau. Il y a Célia qui nous dit, ah, sacré Guillaume et sa gourmandise. Eh oui. Quelqu'un qui te connaît sûrement. J'imagine. Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore mangé, mais je reconnais. Je veux dire que ce direct Facebook est quand même quelque part une épreuve pour nous. Parce qu'on voit passer tous les plats, qu'on a faim. On va torpiller. On a vu que là, il y avait les assiettes qui attendaient. Hop, la dernière. Allez, le dernier. Je reconnais la petite pancarte. Ça sent Marie-Béatrice. Et ça sent la fin de la demi-finale. Eh oui, ça sent. D'abord, il faut qu'ils finissent de goûter. Il faut qu'ils mettent leurs notes. Les candidats, ils ont fini. Oui, on va aller. On va aller à leur rencontre, mais d'abord, je voudrais le descriptif vite fait des plats les uns après les autres. Alors, premier. Alors, le numéro 1, nous avons donc une aumônière aux pommes caramélisées. Sur fond de clémentine, voilà. Ah. Le numéro 2, nous avons une tarte pomme sablée breton. Tarte pomme sablée breton, on avait vu le sablé qu'il nous avait présenté tout à l'heure, mais voilà.
Le numéro 3 avec... Qu'est-ce qu'il y a dans la petite verrine? Crème anglaise. Petite crème anglaise. Ensuite, le numéro 3, nous avons donc un nounours aux pommes avec un... J'ai oublié le nom. Un savoyon. Bien joué, Laurent, un savoyon. C'est bien, on reconnaît les spécialistes. On reconnaît les gourmands, les surtout. Gourmands, ouais. Surtout. Là, nous avons donc un savoyard aux pommes sur coulis de framboise. Et une surprise à l'intérieur. Et la petite surprise à l'intérieur, qui est le coulis de framboise, un joli petit lit de framboise à l'intérieur. Cinquième. Alors, le cinquième, c'est la surprise complète. C'est-à-dire c'est pour toi aussi. Pour moi aussi, parce que c'est à base de pommes. Il me semble que c'est une pâte de pommes sur un lit exotique. Mmh. Et là, le sixième, nous avons donc une tarte, un savoyard au fromage, pommes et clou de girofle. Ça sent la Colombie. Ça sent, exactement. Toujours un on peu plus ressent sur... les... Il n'y a pas que de la pomme. Ça Il n'y a sent... pas que la banane plantain. Il y a un peu de cannelle, ça se sent. Il y a un peu de cannelle et quelques clous de girofle. C'est quoi, quoi je vais tout seul en cuisine, comme ça je leur montre ce que tu filmes. Et je leur montre un peu les... Le jury est en train de goûter, ça remet un peu la pression. On va demander à Sandra de baisser le volume parce qu'on entend qu'elle. Coucou Sandra. Merci. On va aller voir les candidats, Guillaume. C'est parfait. Là, ils sont... Et puis, comme on va leur montrer le jury, avec moi, Frédéric. Frédéric, c'est le numéro 1. Ils sont... Regarde où ils sont. Ils sont en train de... Ils sont en train de goûter vos desserts. Alors là, c'est... Est-ce que c'est toi, ça? Ah, ça ressemble à ouais. Ça ressemble à des crêpes. C'est bien toi qu'on est en train de goûter. Ouais, mais les crêpes, elles sont en forme d'aumônière. Eh oui, oui, c'est pardon, c'est en aumônière, bien sûr. Ouais. Ça va, ça s'est bien passé pour toi, bonjour, Frédéric. Bonjour. Dans l'ensemble, oui, mais je suis pas complètement satisfait. Mais... Qu'est-ce qu'il y a? Un petit peu trop de parmesan dans le risotto. Ah oui, ça, tu parles pour le plat. Ouais. Pour le. Non, mais ça doit être bon. Mais ça doit être bon. Là, on est en train de goûter... C'est qui a fait ça? Ça, c'est le numéro... Ouais. Elle est où? Elle est... Et partie voilà. Vaquer à des occupations personnelles. Toi... C'est Laurent. Jamshid. C'est... toi, c'est... C'est quel plat? C'était lequel, le dessert? Le dessert, c'était le millefeuille aux pommes. Le fameux millefeuille aux pommes. À la crème de pommes, ouais. À la crème de pommes. Mmh. Ça les a surpris. Numéro 4, c'est ça? Ouais. Ça les a surpris. Ça nous a surpris aussi. C'est-à-dire, c'est-à-dire que c'était différent, c'est vrai, on s'attendait ouais. Plus à des gâteaux, des choses ouais, comme ça. Ouais. Toi, ça très, très ouais. Surprenant. Et qu'est-ce qu'on a vu? Clou de girofle, c'est bien passé? Oui, aussi le fromage. Du fromage? Oui, 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 oui. Ça va dire, je pense. Oui, c'est bon. Marie-Béatrice, ouais, tu étais partie, on t'avait perdu. Goûter les desserts. Ah. Tu es contente? Oui, oui, dans la globalité, oui. Parce que j'ai pris note de ce qu'on m'a dit hier. Ah, en fait, et ouais, ça aide. Hein. Ah, complètement. Et j'ai appris en plus des choses, je suis vraiment très contente. Bon, je suppose qu'ils vont bientôt vous appeler. Vous avez la pression? Non. Non, ça va. Non, de toute façon, on sera pas. Il n'y a que des gagnants. Mais oui, déjà wow. On a le plaisir de l'avoir fait, participer. Et ça, pour moi, c'est un beau cadeau. Et puis, on a senti l'esprit d'équipe entre vous, hein? Oui, oui, on ne se connaît pas trop, mais de toute façon, on va se revoir. Hein, je pense qu'on va se revoir. Parce qu'on a sympathisé, oui, 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 ça c'est vrai. Et pas puis, bon si ça ne marche pas, eh ben, on va créer un truc, nous, hein, débutants, et pour les gens qui cuisinent, on apportera notre. Ben voilà, alors Guillaume, un peu belle la vie. C'est parfait. Et comme tu l'as dit, on va venir soutenir la personne qui sera désignée aujourd'hui. L'esprit d'équipe, hein, c'est, en cuisine, c'est important. On a vu qu'ils étaient plus là pour s'entraider les uns les autres que pour se tirer dans la patte. Et c'est plutôt sympathique. On va retourner alors là, on est avec dans le jury. Hein. C'est, on arrive presque à la fin. Ça négocie. Ça négocie. Chacun défend son goût. Je vais voir un peu. Est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils en sont combien? Trois. Au numéro 5, je pense. 3. Bon. Tu vois? 3. Je suis pas sérieux. Ah non, c'est pas. Écoute-moi bien. Niveau dessert, tu vas pas me la faire. Non, c'est vrai que.
Il y a Muriel qui est cité, il y a Sandra. Alors Muriel, chef, c'est bon? Réponse? Excellent. Excellent. Vous ne procéderiez pas à un petit tirage au sort parmi les internautes afin que le gagnant puisse goûter? Si je gagne, je vous offrirai un cadeau. Zidéla, je ne sais pas où tu es. Si tu es à moins de 10 minutes du CFA d'Ajaccio, écoute, viens, direct. Hein, Laurent? Sinon, demain, Bastia. Voilà, il y a deux solutions, Zidéla. Soit tu es dans la région d'Ajaccio et viens de suite au CFA d'Ajaccio, soit tu es dans la région de Bastia, Laurent, et... Demain matin. Voilà, la même chose demain. Oui, il faut regarder. Quoi? Il faut... Ah ben oui, ben on est en direct, on en profite. Hein. On a deux invités surprises. Bizarrement, à l'heure du repas. Bonjour. Bonjour. Écoutez, il ne me reste pas grand-chose à ça pour serrer la main. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Je n'ai pas présenté. On se présente. Alors, Sylvain Rugraff, bonjour. Je suis directeur de la stratégie à Pôle emploi. Et Pierre Péladan, je suis le directeur régional de Pôle emploi. Et le directeur régional de Pôle emploi vient nous rejoindre au moment de goûter le dessert. C'est bizarre. Qui c'est qui a dit qu'il était gourmand? Mais on est tous un peu gourmands, on est tous. Je le suis, je ne vais pas le laisser partir comme ça. Bon, on profite d'un moment de creux entre midi et deux pour nous rejoindre. Ça se passe plutôt bien, on est en direct, hein, je vous préviens à l'avance. Ça se passe plutôt bien, on a discuté avec les candidats. C'est marrant leur parcours, à qui était électricien? À qui travaillait dans la chimie, à qui travaillait dans d'autres domaines et a envie de se reconvertir. C'était aussi ça l'idée de ce concours, de dire aux gens, il n'est jamais trop tard pour partir dans un métier qui recrute. La cuisine, c'est un secteur où on est sur un rapport de 1 sur 3 à la louche en Corse. C'est pas que du saisonnier, ça peut être aussi des CDI tout au long de l'année. Regardez, la cuisine, ça peut être sympa et ça peut être une voie d'avenir pour les gens en reconversion. Bah, tout à fait, c'était l'idée de notre concours, puisque comme on le sait, dans notre région, il y a un vrai déficit de compétences en termes d'hôtellerie, restauration, et plus particulièrement, je vais y arriver, au niveau de la restauration. Et donc, on cherche toutes les bonnes idées pour essayer d'amener des personnes sur ces métiers-là. Et donc, c'était l'idée du concours. Ben, voilà. Oui, on peut avoir une passion. Au-delà du concours, ça va être sympa pour le gagnant ou la gagnante qui aura lieu à Porto-Vecchio en le 16 mai. Mais au-delà, c'est aussi de faire passer un message. On peut être pas professionnel et assez rapidement, avec une formation derrière, d'ailleurs le gagnant aura droit à sa formation, pouvoir partir dans cette aventure professionnelle, surtout quand on est passionné, comme on a vu des... Alors moi, j'ai carrément fait la promo de 2-3 candidats. Derrière, il y a une certaine Marie-Béatrice, c'est une tuerie dans la passion. Il y en a un autre, un ancien électricien qui adore ça. Et c'est ça aussi, se dire, on peut y arriver, il suffit d'avoir... Allez, l'énergie à un moment donné, exactement. Et nous, à Pôle emploi, on est là pour promouvoir ce type de démarche. Voilà, exactement. Ben voilà. Ouais, tout simplement. On va essayer de s'incruster un peu pour goûter. Allez, on est juste sur les réseaux sociaux, on en profite, on est entre nous. Parce que depuis tout à l'heure, Muriel se fait un plaisir. Hein. Ça, c'était la fameuse surprise. Nicolas. Un tout petit manque de cuisson sur le biscuit, là. Ça ressemble à une sorte de petit millefeuille. Oui, voilà, il y a plusieurs couches avec une... pour appeler ça une compote. Une compote hein. Exotique. Hein. Ouais. C'est bon, hein. En goût, c'est bon. Mais quand même, le problème, c'est la découpe, a priori, qui t'a un peu embêté. Et quand même, un joli manque de cuisson sur le millefeuille. C'est pour ça qu'on est... C'est beaucoup plus compliqué à casser. C'est important ça aussi à prendre en compte, c'est pas quand on est chef qui de plus est étoilé, il faut aussi prendre ça en considération, de se dire à un moment donné, la personne va devoir le couper pour le déguster et on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a plein de fois où on a envie de faire des décos ou même des façons de dresser d'une certaine façon, sauf qu'après, si le client est obligé de tout casser, renverser l'assiette, tout renverser, voilà, c'est... c'est comme on peut être artiste et garder une part de pragmatisme pour. On est obligé, on travaille avant tout et pour tout pour les clients. Donc on fait pas non plus toujours ce qu'on veut, c'est normal. Voilà, on a un petit dommage. Garder cette idée-là. Donc c'est aussi
les a conseillés ce matin. Après, on n'est pas là pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Donc on leur pose des questions, on leur demande ce qu'ils en pensent. Vous l'aviez déjà abordé un peu cette problématique ? Oui, 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 on l'avait vu tous les deux avec Manu. Donc moi j'ai été lui poser une première fois la question. Manu a été aussi une deuxième fois pour essayer qu'il comprenne qu'il y avait un petit souci. Bon, il a voulu rester, on l'a laissé faire et puis voilà. Mais ça reste bon ? Bien sûr, oui, sinon au niveau goût, il n'y a pas de problème. C'est au niveau de la découpe, on ne peut pas casser vu que le biscuit n'est pas assez croustillant. Allez, je vous mets un peu la pression, le dernier. Martha, on l'a reconnu, c'est un numéro 6, ça sent. Alors, le problème du clou de girofle, c'est que mis à part si on a des problèmes de dents, comme disait mon grand-père, 2-3 gouttes de girofle, ça t'enlèvera le mal de dents, mais sinon, c'est assez dur. Hein. Voilà. Après, c'est le genre de produit à travailler avec parcimonie, sinon ça devient vite médicamenteux. Voilà. Donc j'espère qu'elle n'en a pas mis autant dedans qu'elle en a mis dessus. Ah, ça peut devenir dangereux, en effet. Allez, voilà. Voilà. Donc je sais que ce matin, on l'a vu, elle l'a cuit en 3 fois. Alors, parce qu'elle remet des pommes, elle le remet à cuire. Allez. En tout cas, il est moelleux. On a senti le croquant et le moelleux. Pascal nous dit, pour un dessert, normalement, on dresse fourchette, couteau et cuillère à entremets. Oui. C'est ça. Voilà. Oui, Pascal, oui. Sauf si vraiment on est sur un liquide, type... Oui, là, il faut prendre de la cuillère. Voilà, la cuillère, mais on met toujours en restauration, de toute façon, toujours couteau, fourchette. Et cuillère à entremets. Voilà, parce que tout le monde n'a pas la même taille de bouchée. Donc, voilà. Il faut découper. On est plus sur des métiers de service, là, mais... Alors, on voit la tranche. Alors, par contre, je ne sais pas ce qu'elle a mis dedans. Il y a l'air d'avoir... Il faut pas tout dire. Ah, moi j'avais l'info, je n'ai pas balancé. D'accord. Ok. on va goûter. Dans oui, mais. Allez, très belle présentation pour le numéro 6, nous dit Sandra. Non, c'est Dominique qui nous dit ça. Sandra nous dit une cuillère suffit pour déguster. Donc on sent bien la goinfre. N'aurait-il pas été plus approprié de le servir sans les clous de girofle, ou cela vient vraiment de l'information de la personne qui va les déguster? En fait, elle a voulu rappeler ce qu'elle avait déjà mis dedans. Voilà, voilà, c'est pour faire une un rappel. Une sorte d'info, voilà. Voilà. On dit, attention, là-dedans, il y a de la girofle. C'est ça. Très bon. Très moelleux. Presque l'impression d'un mi-cuit. C'est juste professionnel, hein, Nicolas. Bien sûr. Ça n'a rien à voir... Bien sûr, bien sûr. Si je ne noterai pas. Hein. On a besoin d'un autre œil. Non, non, je ne me permettrai pas de donner mon avis. Laurent, c'est bête. Hein. Ça me fait plaisir que tu sois avec moi aujourd'hui, Laurent Simon Poig. Non, c'est bien équilibré. C'est marrant. Hein. C'est curieux. Parce qu'il y a du fromage, alors on peut le dire, il y a du fromage dedans. Ouais. Et c'est quoi comme fromage qu'elle a utilisé? En fait, c'est le fromage à croque-monsieur, là. Le cheddar, le truc orange. J'ai pas osé le dire, je me suis dit, c'est pas possible, elle a utilisé du cheddar dans un dessert. Voilà, ça passe bien. C'est bizarre, hein. En fait, je pense que c'est un fromage qui n'est pas non plus forcément très fort en goût, donc ça lui a apporté une onctuosité, comme on fait le cheesecake. Hein, oui, tout à fait. Bon, mais c'est vrai que de se dire dans un gâteau aux pommes comme ça, qui est sucré, on se retrouve avec le cheddar. On voit encore une origine autre que notre culture française. Nous, en France, on n'aurait jamais mis du cheddar dans un dessert, bien sûr que non. Voilà, donc c'est sympa. Et puis, comme quoi, même moi, j'en apprends. Hein, vous voyez. Voilà. Bon, il faut finir là, messieurs du jury. Il faut y aller. Qui a dit pas avec les doigts? Ben non. Et Dominique me dit que je suis gourmand. Oui, oui. N'aurait-il pas... Ah oui, Zidane nous remercie pour notre invitation. Malheureusement, elle est dans le New Hall. Tiens, on va y aller bientôt dans le New Hall. On sera avec un collègue, Jean-Paul, on peut le dire, qui nous fera faire une petite balade. Fin mai, voilà. Est-ce qu'on a la date précise? Pas encore. Mais en tout cas, on sera bientôt dans le New Hall. Comment dire? C'est la dame au tweet, la dame au commentaire. Ça va, Sandra? J'ai eu des magagnes. Tu soutiens beaucoup... Non, hein. Non, le
globalement, beaucoup veulent le 5, en fait. Hein. Ouais. L'originalité du 5, donc je me dis que ça pourrait être... Et le 6 avec du fromage, c'est une tuerie. Bah, j'ai pas encore goûté. Je l'ai même pas bien vu, en fait. Hein. Je vais aller me rapprocher. Rapproche-toi, parce que franchement, le coup du fromage, on va demander à M. Péladan s'il a osé goûter avec le cheddar. Vous n'avez pas goûté? Ah non, j'ai rien goûté pour l'instant. Mais je vais goûter. Venez. Oui, il n'y a personne qui nous regarde. Non, parce que franchement, le gâteau, ça y est, ils sont en train de finir les notes, mais le gâteau avec du fromage à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? On est en pleine délibération et le gâteau... Il ne faut pas y aller, d'accord. Non, mais on reste de loin, t'inquiète. Et il y a Guillaume qui... Ah, il veille au grain. Hein. C'est son concours, là. On sent que... Non, mais après, M. Péladan, je vous ferai goûter. Attends, hein. 2 secondes. Oui, je vais aller voler un petit morceau, c'est bon. C'est pour le directeur de Pôle emploi. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est juste... Hop. Voilà, c'est bon. Ils m'ont pas vu. Non, goûtez ça. Il y a un truc, c'est un truc spécial. Alors c'est Martha, origine colombienne, qui ose des choses que nous, avec la culture de la gastronomie française, on n'oserait peut-être pas, comme disait notre chef étoilé. C'est une tuerie. Mmh. Il y a du cheddar dedans. Il y a du cheddar, mais... Mais on le sent pas. Non, je le sens pas. Ça donne un côté moelleux, c'est assez impressionnant. Et les clous de girofle et de la cannelle, et bien sûr de la pomme, puisque c'était le thème. La cannelle, la pomme. Ah oui, parce que le thème, c'était la pomme. Voilà. Il fallait que tous les desserts devaient être à base de pomme et tous les plats devaient être à base de veau. Tu veux qu'on retourne? Je ne sais pas s'ils sont là-bas, Laurent. Moi, je veux bien retourner. Ils sont tous là-bas? Ah ben, on y va, alors. Dans combien ils ont fini le... La délibération, d'ici 2-3 minutes. Et ensuite, on va les faire venir et on va désigner le gagnant. Voilà, on va les faire venir. Ça, c'est un moment dur. Hein. C'est le moment le plus difficile, mais... Là, la pression commence à monter. On arrive alors. Pas trop stressé. On est là. Ah, ils sont... C'est les derniers chiffres. Non ? Allez, viens avec nous. Martha, ils ont eu peur du cheddar dans le gâteau. Et en fait, ça se sent pas du tout, c'est une tuerie. Je l'ai goûté, c'est le seul que j'ai pu goûter, hein. Pour l'instant, après je goûterai tout le monde. C'est vrai que c'est impressionnant. Je donne 2-3 infos, même si j'ai pas le droit. Ouais, oh, ça va, on est entre nous. Le millefeuille. C'est moi. C'est toi. La cuisson. De la pâte. Un peu en dessous, ça les a un peu. Mais par contre, ils ont dit que c'était très bon. Mais c'est vrai que la pâte. Je regarde que personne ne nous voit parce que j'ai pas le droit de donner ces infos. Ça, ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Laurent, aide-moi. La crêpe. Ouais. Là. Très bien, aussi, il n'y avait rien de spécial. Le truc comme ça, le sabayon. Oui. Pas de souci, très bien. C'était le nounours, ça s'appelait comme ça. Hein. Voilà. Qui me manque? C'était quoi? La pâte sablée. Ah oui, la pâte sablée en dessous. Non, parfait, il n'y avait pas de Non, c'est bon. C'est juste encore ce matin qui vient écouter ce qu'on fait. Je tiens encore ce matin, puisqu'on vous voit depuis tout à l'heure. Venez. Mais maintenant, c'est trop tard. On est en direct. Je vous ai cité. Dites-nous juste l'article. Il va sortir quand? Quand est-ce? L'article, ce sera demain dans le corps ce matin. Elle a fui. Bon, c'est des collègues. Ça va, on est entre nous. Au niveau des plats, Laurent est reparti. Au niveau des plats, Laurent, tu m'aides. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Si, moi, j'ai tout écouté. Hein. Au niveau des plats, arrête-moi, toi le plat c'était... Ah oui, le champignon, très très bien, ils étaient très contents. Toi c'était... Ah, la banane, alors. Banane plantain, oui. Toi, Martha, le seul truc qu'ils ont dit, c'est qu'à un moment donné, c'était un peu relevé. Mais j'ai dit, mais relevé jusqu'à quel point? On dit non, ça reste acceptable, mais c'était un peu relevé. Oui, Laurent? Il nous reste 5 minutes. Ah ben, il faut vite. Toi c'était... Il sait plus. Le filet de veau rouge. Oui, bien. Pas de soucis. Le fagot. Ah oui, le fagot au foin, c'est terrible. Il faut qu'il vienne avec nous? Ouais. C'est bon, je n'ai donné aucune info. Hein? Allez, venez. On arrive. Il nous reste 5 minutes. En plus, on est limité par des problèmes techniques de batterie et de réseau. Allez. Non, moi, je vais juste faire installer les candidats. Allez. Qui c'est qui va donner le résultat? Guillaume, qui c'est qui donne le résultat? Le chef étoilé donnera le résultat. On va aller à côté de lui. Je savais déjà.
Ah bon, d'accord. On a vu de très belles choses, des points positifs chez tout le monde, comme des points un peu moins bien, mais un joli travail, une belle surprise, hein, des belles saveurs. Ça n'a pas toujours été évident là, sur la fin au niveau des choix. Bon, après, on a réussi à tomber d'accord avec tous les autres membres du jury. Voilà, donc on a décidé de choisir Marie-Béatrice, voilà, qui sur les deux plats où on a trouvé le plus de coordination, enfin de comment ça s'appelle, de créativité, de présentation, voilà. Après, chez tout le monde, il y avait des points positifs. Je vais pas citer pour tout le monde, mais voilà, il y en a qui étaient mieux sur les plats, d'autres qui étaient meilleurs sur les desserts, et voilà, celle qui était le plus équilibrée sur le plat et le dessert, c'était Marie-Béatrice. Voilà. Donc, félicitations. Félicitations. Un petit mot quand même pour ceux qui malheureusement n'ont pas été retenus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont de mauvais cuisiniers et qu'ils n'ont pas d'avenir. Comme je le dis encore et je répète, une belle surprise. Vous avez de très grandes qualités. Je pense que justement, ne lâchez pas. Je pense que c'est une bonne idée de continuer, hormis ce concours. Je pense que voilà, vous avez de bonnes idées et vous avez très très bien travaillé toute la matinée. Donc non, bravo à tous, bravo à tous. Merci Nicolas. Voilà, désolé pour ceux qui n'ont pas été. Il n'y a qu'un gagnant, mais je ne sais pas si vous avez entendu. C'est pas parce que vous n'avez pas gagné que vous n'avez pas d'avenir dans la cuisine. Si vous avez envie de vous lancer là-dedans, allez-y, faites-vous plaisir. Il y a des formations, il y a des parcours professionnels, il y a des reconversions qui existent. Faites-vous plaisir. Il y a surtout aussi du travail derrière. Désolé Frédéric, pas d'être trop déçu. Si, un peu, mais c'est pas grave. Sandra. Non, pas du tout. Non. Impeccable. Pas du tout bien. Non, que du plaisir, vraiment. Que du plaisir, ouais. Ça sent bien. Et puis, tout à l'heure, Marie-Béatrice le disait, même qu'on gagne ou qu'on perde, on fera quelque chose tous ensemble. Bah, c'était aussi une belle aventure humaine, de beaux échanges, de belles rencontres. Oui, tout à fait. C'est déjà, merci. J'ai senti une chaleur humaine qui m'a parlé personnellement. Parce que parfois, on voit toujours les choses négatives et là... c'était du positif. Et en plus, j'ai appris des choses en deux jours. J'étais agréablement surprise parce que c'est un domaine que je découvre, hein, parce que je le faisais juste derrière mes petits fourneaux pour moi et mes amis. Et voilà, un nouveau challenge s'annonce et je suis très heureuse. Félicitations. Merci. Merci. Ben voilà, Guillaume. Marie-Béatrice, on la retrouvera en finale à Porto-Vec le 16 mai avec le gagnant de demain. Le gagnant de demain et... avec ceux qui veulent venir vous soutenir aussi. C'est ça. Et la recette, enfin les ingrédients qu'a proposé notre chef, c'est le loup et la noisette pour le dessert. C'est pour la finale ça? C'est pour la finale. Et pour demain, ça sera? Alors pour demain, c'est la même thématique qu'aujourd'hui. Pomme on retrouvera du veau et de la pomme. Et comme il nous reste 3 minutes que Laurent Simon-Paul nous fait de grands signes en disant ça a bientôt coupé, je vous remercie d'avoir été avec nous durant ces deux directs. Bien entendu, n'oubliez pas de le partager. N'oubliez pas qu'on se retrouve demain parce que ça sera la deuxième étape de ce concours régional. Ça sera la deuxième demi-finale. Ça sera en direct d'Ajaccio depuis le CFA de Fouriane avec Béatrice Mazzala. Et ensuite, ça sera peut-être le 16 mai à Porto-Vec. À bientôt. Et comme dit Laurent toujours, ne lâchez rien.